Tout petit devrait finir la rencontre. Monaco dire un coup de franc, Monaco a remporté face à Lyon 2-0 grâce à des buts de Ben Yedder. Moi, j'ai trouvé que une bonne première mi-temps de Lyon qui méritait de l'emporter, mais qui ont touché les trois poteaux. Un arbitrage dégueulasse envers Lyon, il y avait faute. La toute première minute de Kevin Volante sur Paqueta qui a reçu qu'un carton jaune. De même, Depay a été crocheté dans la surface, il y a eu un jaune. Pour moi, c'est Tchouaméni qui devrait avoir jaune et un péno pour Lyon. Je trouvais aussi un bon Depay et Dubois. Et Paqueta ont été bons en compte. Je trouvais aussi un bon Cacré, un bon Cornet. Les Lyonnais ont touché trois fois les montants. Première mi-temps de Monaco, Ben Yedder et Kevin. Et Ben Yedder n'a pas hésité, mais dans la deuxième mi-temps, oui. Au début du match, Volante a pris jaune pour quant à Paqueta, il a fait un bon match aussi. À noter aussi que Aouar n'a pas débuté le match. Au début du match, Volante a eu un jaune sur une faute sur Paqueta. Diomandé a eu un jaune sur Volant et un jaune de Thiago Mendes sur Tchouaméni. Une occasion de Vemba Ndicka décalée par Depay et Cacré était au début. Ensuite, une occasion de Cornet suite à un piqué de Dubois, intervention de Bizagi, poteau de Cornet, intervention de Bizagi, centre sur un centre de Cacré, un corner de Depay suivi d'une tête de Marcelo sur le poteau, une barre de Cacré sur un retourné servi par Depay. Ensuite, Mathieu Cornet centre, une occasion sur une occasion de Cornet. Sur un centre de Depay, il y a eu aussi un choc de Volant et Paul Obec, le gardien de Lyon. Une occasion de Dubois servi par Cornet. But hors-jeu de Cornet servi par Depay. Une faute de Diomandé sur Ballon Touré, pied haut, il a été exclu juste après. Cela a donné un péno à Ben Yedder qui a fait but une occasion. Ensuite, il y a eu une occasion de Ben Yedder. Suite à une talonnade de Kevin Volant, un carton jaune pour Ballon Touré. Ballon Touré qui pousse Paqueta. Et un dégagement de barre sur un centre de Ben Yedder pour Volant. Ensuite, il y a eu le but de Volant servi par Ben Yedder,
Ansuite, Goyovina dégagement de Ben Abri, un carton jaune pour de Paris suite à une simulation, une occasion reprise d'avoir sur un centre de Dubois. Ensuite, Tchouaméni tire à côté car il est contré. Ensuite, il y a eu un centre de Dubois contré par Sidibé. Le centre pour Toko Ekambi, mais contré par Sidibé. Ensuite, il y a eu un centre de Toko Ekambi pour Kakré, contré par Simani, contré. Et Simani ensuite met au-dessus sa reprise suite à un coup franc de Kakré à l'issue de la rencontre. L'entraîneur Niko Kovac de Monaco a déclaré un bel état d'esprit et un fatigue spirit intéressant face à l'OM. Quant à Rudy Garcia, il a déclaré ce n'est pas mérité et que l'arbitrage n'était pas au niveau. Quant à Kovac, il parle pas de hard. Quant à Marcelo, il a désavoué l'arbitrage. Bano Touré ne pense qu'à la victoire de Paille et dépité. Quant à Garcia, il veut annuler le carton jaune de Paille. Ça, de Paille, il sera également suspendu contre Lorient. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.